tous. Alors, je vous retrouve un petit peu brute de décoffrage, comme on dit. Je rentre de spectacle et j'ai dit, il faut absolument que je fasse cette vidéo ce soir. Donc là, il est aux alentours de 2h du mat. Il est 2h08. Voilà, donc je sais que j'en ai pas pour très longtemps. Donc je vais faire ça tout de suite. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la Birchbox. Je vous parle aujourd'hui de la Birchbox du mois d'août que j'ai reçue. Que j'ai reçu ce matin et que je n'ai pas ouverte avant de filmer. Je suis un peu fatiguée, hein. Je sors de spectacle, j'ai encore un reste de maquillage, si vous pouvez voir. Voilà, c'est mon maquillage de scène. Et j'ai dit, vaut mieux ça plutôt que je me démaquille avant parce que sinon je vais avoir une tronche de merde. Donc voilà, je vais l'ouvrir devant vous. D'habitude, je la reçois beaucoup plus tôt que ça. Et là, ça a tardé, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas un petit machin pour tirer, là? Il n'y a pas un petit machin pour tirer. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Le petit emballage en carton qui va bien. Que je vais m'empresser d'ouvrir. Alors, je vous montre en même temps ma petite manucure pastèque. Que j'ai fait. Si vous voulez, je vous ferai un tuto là-dessus. Voilà. Donc, quand on ouvre, on a un petit courrier qui dit « Ode à la paresse ». Alors là, ça me va bien. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je veux pas savoir ce que c'est avant. Oh, que c'est mignon! Alors, c'est dans une petite pochette comme ça. Voilà. Donc là, ce qui est dommage, c'est qu'on voit tous les produits d'un coup. Mais enfin, c'est quand même une bonne idée. C'est quand même sympa, ça fait bien été, tout ça. Voyons voir ce qui se cache là-dedans. Le suspense est à son comble. Alors, premier produit sur lequel je tombe. Lumière d'hiver, préparateur et protecteur. Pour les cheveux. Pour les cheveux. Apparemment... Ça hydrate les cheveux, ça répare ça répare les cheveux abîmés par l'été, donc pourquoi pas. Ouais, donc faut le mettre après le shampoing tout simplement. À tester. Je sais pas ce que ça sent, mais je vais pas le... Ça a l'air de sentir le produit solaire. Je voulais pas le vaporiser tout de suite. Alors là, en fait, ça s'agite à côté de moi. Je vais vous montrer, j'ai un invité. C'est un invité, viens ici. Je vais le courir derrière. J'ai réussi. Alors voilà, ce petit chat, vous ne le connaissez pas, c'est pas Salem. Ce petit chat, c'est Café. C'est le chat de ma maman. Elle est partie en vacances et j'ai récupéré ses chats ce soir. D'ailleurs, il y en a un deuxième. Viens, Biscuit. Voilà, le deuxième, c'est Biscuit. Donc je suis de garde. Bon, ça lui plaît pas trop. Je suis de garde toute la semaine, donc j'ai 4 chats à la maison. C'est la fête. Alors, pour en revenir à nos produits. Ensuite, le second produit. Qu'est-ce que je vais piocher là? Je vais sortir ce que j'ai déjà vu. Alors, ça, Balance Me. Ok. Crème miraculeuse pour les yeux. Ah ben ça, c'est pas mal. Quand on commence à avoir des yeux vieillissants, comme les miens. Donc ça, c'est une crème contour des yeux, tout simplement, de la marque Balance Me. Hein. Je connais pas. À voir. Mais ça sent... Ça sent la pommade un peu. On dirait la pommade pour les coups, là, l'arnican. Bref. À tester. Ensuite... Ah, un blush. Donc c'est la couleur Peach Bellini de la marque Model Co. Voilà, j'avais déjà eu un bronzer dans une précédente box. Donc voilà, ben, la couleur est sympa. Je vais l'ouvrir tout de suite. Je sens toujours tout. Hein. Voilà. Et donc, ça a l'air assez pigmenté. Ah oui. Ah, j'aime bien. Alors c'est chiant parce qu'avec ma lumière, on voit que dalle. Enfin, si là, on voit un peu quand même. Ah, ça me plaît bien ça. C'est quand même vachement lumineux. Hein.
peur de ressembler à une boule à facettes, moi. Enfin voilà, donc ce blush là. Après, un beurre corporel, pardon, à l'amande. Ah voilà, là j'ai les chats qui s'agitent. Ça c'est diesel en fait, il rentre dans le tiroir de mon lit. Je sais pas comment il fait, il arrive à se faufiler. Enfin, du coup ça fait du bruit. Ah mais non, diesel il est là, alors je sais pas qui c'est. Zouzou, viens, diesel, on t'a pris ta place. Il y a des chats partout en fait, je vais passer la semaine à compter les chats. Voilà, donc ça c'est un beurre corporel de la marque Wish, que je ne connais pas non plus. 22 ml. Et c'est à l'amande apparemment. C'est la fête des chats, je vous assure, ça court partout là. J'en ai 3 là, et donc un dans le tiroir. Voilà. Ça, et donc, qu'est-ce que ça sent? Est-ce qu'il y a un opercule ou pas d'opercule? Il n'y a pas d'opercule, on va pouvoir voir ça tout de suite. Ouais, ça sent l'amande. Mmh. Ah ouais, ça sent. Ça sent super bon. C'est un mélange entre quelque chose qu'on a envie de manger et en même temps la colle, un peu la colle Cléopâtre. Ah, ça plaît bien ça. Bon bah à tester. Hein. Voilà. Et il y a un dernier petit produit. Mais qu'est-ce donc? Ah, ça c'est bien aussi. Un masque pour le visage de la marque BeFine. C'est un masque usage unique, hein, genre on va se mettre 2 fois le masque sur la tronche quoi. À la cardamome, à l'arnica et à la... comment ça s'appelle? La grenade. Voilà, et donc... pourquoi est-ce donc fait? Pour détoxer la... pour détoxifier la tronche. Alors je vais me détoxifier la tronche. Voilà, donc ça c'est bien à tester. Je suis assez contente de ce produit là. Je sais pas comment ça se présente, si c'est une crème ou si c'est une lingette là. Vous savez, les espèces de masques tissu. Non, ça m'a l'air d'être de la crème. C'est bien épais, hein. Oh, ça me plaît bien ça. Bon ben, voilà, à voir. Alors, est-ce qu'on peut voir les prix de ces petits produits? J'ai des chats partout, c'est impressionnant. Les chats, ils grimpent au mur. 1, 2, 3. T'as quoi dans tes moustaches, toi? Viens ici. Viens ici, mon pote. Lui, en fait, partout où il peut grimper, il grimpe. Alors, il est un petit peu dangereux. Un biscuit. Mon petit roux. Mon petit roux. Allez. Là, j'ai Salem. Salem? Ah, viens ici. Voilà, ça, c'est le plus beau du monde. Hein, mon cœur. C'est le mien, celui-là. Ça, c'est mon bébé d'amour que vous connaissez. Bon, enfin. Je crois qu'il n'y a plus de chat. Alors, j'étais en train de chercher pour récapituler pour les prix. Donc, on va commencer par le blush. Et donc, le blush, je crois que c'est un full size. Mais non, que nenni. Non, c'est que nenni. Normalement, il fait 8 grammes. Là, il fait 3,6 grammes. Et à 8 grammes, il coûte 16 euros. Voilà. Donc, faites le calcul, hein. Ensuite, le masque. Le masque, normalement, il est en 150 ml. Et là, c'est 14 grammes. Et donc, en 150 ml, ça coûte 20 euros. Ensuite, la crème Wish. Elle est normalement en 147 ml. Et là, il y a 22 ml. Et donc, en 147 ml, elle coûte 17,25 euros. Qu'est-ce que j'ai pas cité? Ça. Ah voilà, la marque c'est Number 4. Numéro 4. Voilà. Et donc là, ça vaut normalement pour 200 ml 23 euros. Et là, il y a 30 ml. Voilà. Donc à tester. Je sais pas ce que ça vaut. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai oublié de vous dire pour la crème pour les yeux. Et la crème pour les yeux. Normalement, c'est 15 ml. Et là, il y a combien? 7 ml. Et normalement, ça vaut 27,50 euros. Donc là, on a carrément la moitié du truc, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Pour 27,50, là, on a la moitié du produit. Enfin, vous me comprenez. À cette heure-ci, j'ai un petit peu du mal. J'ai pas toutes les connexions qui se font.
Voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé peut-être un peu plus sur Birchbox. Je sais pas ce que vous en pensez. J'avoue que ce mois-ci, j'ai préféré la Glossybox, hein, qui était pas mal. J'ai reçu aussi la My Little Box, mais je l'ai ouverte et ça fait un petit moment et tout ça. Donc je filmerai pas celle-là ce mois-ci, je la filmerai le mois prochain. Voilà, donc après je sais pas, comme je disais, je sais pas si je vais rester abonnée à tout. On verra bien sur le long terme. Pour ceux qui se posent la question, non, 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 ce ne sont pas mes cheveux. C'est un postiche hein, que je mets quand je danse. Moi j'ai 3 poils, là il y en a un petit peu plus. En plus il est neuf celui-là, il est tout beau. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour ceux qui attendent une vidéo par rapport à mon régime, ça va pas arriver tout de suite parce que là avec les vacances, les sorties, tout ça, j'ai un peu de mal. Donc je fais un peu plus attention à ce que je mange pour l'instant, je me fais des salades. Alors je fais des salades avec des fruits dedans, c'est trop bon. Je mets des endives, des tomates, de la mozza ou de la feta. Qu'est-ce que j'y mets encore? De la pêche. Et je fais une sauce avec moutarde à l'ancienne et vinaigre de framboise. C'est super bon, avec un peu d'huile d'olive. C'est super bon, en fait, ça a un goût vraiment particulier pour l'été. C'est vraiment agréable à manger. Ça avec une viande ou un poisson. Voilà, j'essaie de manger un peu plus léger. J'ai dû perdre 1,5 kg ou 2 kg pour l'instant. Mais c'est pas encore ça, parce qu'à chaque fois, ouais, là j'ai travaillé à un mariage la semaine dernière. Enfin, j'ai pas mal d'événements qui font que bah, je mange un peu plus que la normale. Voilà. Donc je m'y mettrai plus sérieusement à la rentrée, sachant qu'en plus avec l'activité physique que j'ai, normalement ça va quand même assez vite. Mais là je suis beaucoup plus calme l'été, donc c'est un peu plus difficile de s'y tenir. Voilà voilà, donc j'essaierai de faire quelque chose, je sais pas trop comment organiser ça. Enfin bref, il n'y a pas de secret, si vous voulez maigrir il faut arrêter de bouffer quoi. En fait c'est ça, si vous attendez que je vous dise mangez plein de gâteaux et ça va marcher, non, même si j'aimerais bien, voilà, ça marche pas. Donc le but, enfin le truc c'est qu'il faut manger plus sain tout simplement, hein. Donc c'est pas compliqué, on le sait tous, hein. Mais c'est pas évident quoi, voilà. Surtout, et je me rends compte qu'après la trentaine c'est beaucoup plus dur de perdre quoi. Et voilà, malheureusement on rajeunit pas. J'ai le collier qui tourne. Ah, c'est mieux comme ça. Donc voilà, alors si vous voulez un tuto sur la manucure pastèque, dites-le moi. C'est pas compliqué, hein. Franchement si j'y arrive, vous y arrivez aussi. Et donc voilà pour la Birchbox du mois d'août. Bah, bientôt la prochaine, hein, parce qu'on est déjà fin août. Voilou, voilou. Bah sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme dirait Valérie... Au revoir. C'est la mère de Michel qui a peur de le chat. Voilà de près ce que ça donne. Les fossiles de la muerte quemata.